son bestial à Saint-Boël. Quatre catégories, plus de 45 candidates vont se présenter devant vous. Le compte à rebours est lancé. Veuillez vous installer confortablement en route pour l'aventure à travers un voyage à travers le temps. Bon spectacle, que la fête commence. Cette année, les organisateurs de cette élection
ont d'un commun accord décidé, mesdames, messieurs, de vous faire voyager à travers le temps. Mais pas n'importe quel voyage. Nous allons nous replonger dans des époques qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué la civilisation. Nous allons commencer à faire un voyage en Égypte, le temps des pharaons, Cléopâtre, et également Jules César, les époques romaines. Puis ensuite, nous reviendrons dans nos terres françaises avec un passage à thème sur la catégorie, sur la tenue 6-7 ans, la Révolution française. Puis ensuite, mesdames, messieurs, quoi de plus beau et de plus symbolique de faire un passage sur la tenue médiévale, le Moyen-Âge, avec une surprise de taille. Et ensuite, en ce dimanche 11 novembre, jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale 14-18, un passage de la tenue de la catégorie 10-11 ans en tenue, ce qu'on appelle les tenues, en rapport avec les grandes guerres. Je vois que vous êtes confortablement installés. Tous les organisateurs ont mis tout en œuvre pour vous proposer un spectacle de qualité. Vous allez en avoir, mesdames, messieurs, pour votre argent, mais également plein les yeux. Nous avons mis les petits plats dans les grands, et nous avons mis les grands plats dans des saladiers d'argent, et nous vous offrons ce soir, sur un saladier d'argent, le spectacle qui vous sera proposé. Donc, au nom des associations organisatrices de cette manifestation, je vous souhaite un bon après-midi à Saint-Gouël, et que le monde de nuit se fait escale à Saint-Gouël. Mesdames, messieurs, bon spectacle.